dire que j'aurais pu empêcher Alain de faire un hold-up. J'aurais pu lui donner une famille, une raison de vivre. J'aurais pu... L'amour se commande pas. T'as essayé de l'aimer, t'as pas été capable. C'est pas de ta faute si t'en aimes une autre. Je me sens coupable. Coupable de pas l'aimer. Coupable aussi de pas avoir compris son drame, puis de pas avoir découvert qui il était. On s'est connus à fleur de peau. Jamais, jamais j'ai essayé de le connaître vraiment. Ce que je voyais en lui, c'était pas lui. C'était moi. Tu comprends? Oui. Mais si on savait ce qui se passe dans chaque être, on serait plus attentif. Mais non, on sait pas, puis on reste au bord des êtres. On s'embrasse, on se caresse, puis on se connaît même pas. On commence par la fin. C'est quand on s'est bien connu puis bien apprécié qu'on devrait commencer à s'embrasser puis à se caresser. Oui, mais on n'a pas la patience. On est égoïste. Est-ce qu'il a dû souffrir, Alain, pour en arriver là? Isabelle, tu me vois toute seule. Sans papa, sans maman, sans frère, sans soeur, sans personne pour m'aimer, sans personne pour me chicaner. C'est épouvantable. Oh, des fois, je suis fatiguée de recevoir des ordres. Des fois, je suis fatiguée des petits, puis je suis fatiguée d'aider maman, puis j'ai le goût de partir, mais... Dans le fond, c'est parce que je sais pas ce que c'est que la solitude. On peut pas savoir. Nicole, il faut faire quelque chose pour lui. Faut penser vite. Le matin va venir, puis il faut qu'il s'en aille avant que papa et maman se réveillent. Mais pour aller où? Il y a rien que 13 piastres. Le 13 piastres du hold-up. Hey, écoute! J'entends marcher. À lui? Hey, il est fou s'il fallait que papa et maman se réveillent. Nicole, j'ai peur. Oh, tu t'es belle. Dormez-vous. Oh! Tu nous as fait peur. Je pensais que c'était Alex. C'est épouvantable. On a perdu confiance en lui. Mais oui, qu'est-ce qui nous a pris? Écoutez, là, on va réveiller papa et maman puis tout leur raconter. Oui. Moi, je suis pas capable de porter ce fardeau-là tout seul depuis minuit que j'ai la pitourne. La quoi? La pitourne. C'est quand tu dors pas. Pitourne d'un bord, pitourne de l'autre, t'as la pitourne. Alors, faut tout vous expliquer. Quand j'ai la pitourne, ben, j'aime pas ça. Je réfléchis, puis quand je réfléchis, j'ai la pitourne. Je peux pas passer une nuit comme ça. Moi, je les réveille, puis je leur raconte tout. Oh oui, moi aussi, ça me ferait du bien. Oui. Puis papa et maman, c'est pas pareil. Eux autres, ils ont l'habitude d'être à cas, c'est pas comme nous. Oh, puis depuis minuit, moi, que j'ai le goût de tout leur raconter. Oh oui, moi, depuis qu'ils sont rentrés. Pourquoi vous l'avez pas fait? Ben, parce que... On passe moi ma robe de chambre. Et parce que j'ai 18 ans. Il y a 18 ans, je devrais être capable de faire des cachettes à mes parents. Mais oui, mais on n'est pas en mode, c'est sûr. Je pense qu'on a été mal élevés. Fini. Hier soir, il est venu se réfugier ici, il est caché dans la chambre à fournaise. On sait plus quoi faire. On sait pas si on a mal fait ou bien fait. On sait pas qu'est-ce qu'il va falloir faire demain matin. Qu'est-ce que vous dites, là? Qu'est-ce que tu me dis, là, Nicole? Alain a fait un hold-up. Alain? Alain, oui. Alain a fait un hold-up, hein? Quand ça? Hier soir. Où ça? Une banque? Mais non, les banques sont pas ouvertes le soir. Une pharmacie.
Mais il y avait seulement 13 pièces dans la caisse. C'est pas un gros hold-up. Isabelle, quand on fait un hold-up, c'est comme quand on fait un cadeau. C'est l'intention qui compte. Allez, elle a fait un hold-up, puis il est venu se cacher ici. Tu parles d'un culot. Il était blessé, puis le pharmacien avait un revolver. C'est gravement? Mais non, une éraflure, mais on pouvait pas le mettre dehors. Maman, il n'y avait pas d'autre place où aller. Ou toi aussi, tu l'aurais caché. Ne dis pas non, je te connais. Tu connais peut-être ta mère, mais tu connais pas la loi. Mais puis voyons donc, en hébergeant un voleur, on se rend coupable de complicité après le fait. C'est très grave, ça. Vous savez pas de tête, non? L'aurais-tu caché, maman? Réponds, maman. Je le sais pas, moi. J'ai plus de cœur que de tête. Je le sais pas. Puis il va sortir d'ici, hein? Immédiatement. Quand on a un peu de considération pour les autres, on les embarque pas dans un bateau pareil. Il va sortir d'ici. C'est pas mon fils, hein? C'est même pas parent. C'est même pas un cavalier. Mais papa, il y a personne au monde. Personne d'autre que nous. Il y avait pas d'autre place pour aller qu'ici. Hold up! On cache un voleur! Fallait plus me le dire hier soir, hein? Papa, fâche-toi pas! Ça s'est passé si vite! Ben, on pensait trouver une solution puis le faire partir ce matin avant que vous leviez. Vous auriez absolument rien su. Mais on n'a rien trouvé. On te réveille pas pour que tu nous aides à l'aider. Ouais, aide-nous, aide-le! Dehors! Je le mets dehors! S'il s'arrange le droit de voler les autres, moi je m'arrangerai pas de le mettre dehors! Qu'ils seront bien chanceux, que j'appelle pas la police, hein? À moins que je l'appelle. Oh, papa! C'est pas pour ça! Mais vous en avez une belle morale, dites-donc, vous autres. Alors, un voleur sympathique, c'est pas un voleur. Un beau voleur, hein? C'est pas un voleur. Fait que je vous félicite. Vous avez des principes solides. Maman! Il va faire une petite colère, puis après ça, il va voir clair. C'est comme quand on tousse pour s'éclaircir la voix. Oui. Il est dans la chambre à fournaise, vous dites? Oui, oui. Un voleur, hein? C'est un voleur. Racontez-moi tout ce qui s'est passé en détail. Qu'est-ce que... Je me demande même ce qui m'a pris de demander à Nicole de me cacher cette nuit. J'aurais dû penser qu'il n'y a plus de place pour moi ici. Mais c'est bête. Quand le commis a tiré, je me suis pensé mort. Un coup de feu par en arrière, on se pense mort. J'ai tout de suite pensé, il faut que je meure chez Tremblay, puisque c'est là que j'aurai mes vies. C'est fou, hein, ce qu'on peut penser dans ces moments-là. J'ai couru jusqu'ici. J'avais rien qu'une petite éraflure. Mon problème à moi, c'est que je suis un petit malchanceux. Alors, c'est vrai, si j'étais un grand malchanceux, au moins il m'arriverait quelque chose. Petit vol, petite condamnation, petite vie, petite malchance. J'ai même pas eu la chance d'être blessé gravement. Je m'en vais. Je m'excuse d'être venu troubler votre vie. Vous méritez pas ça. Je m'excuse pour vrai. Je m'en vais. Attends. C'est pas la première fois que tu voles? Non. T'as commencé quand à voler? À l'âge de Germain, j'étais seul dans la vie. Seul. Tout seul. Quand je travaillais, ça allait. Mais quand je travaillais pas, eh bien, il fallait manger. Oh, j'ai jamais été un bon voleur, ni un grand voleur. J'ai jamais volé grand-chose. Je me faisais reprendre à tout coup. Et puis, il fallait bien que je recommence parce que la malchance, elle n'arrête pas. L'année passée, j'avais trouvé un filon. Je vivais en hippie avec des hippies. On s'habille pas, on mange presque pas, on quête, pis c'est pas humiliant. Mais ils se sont vite aperçus que j'étais pas un vrai de vrai. Eux autres,
C'est les enfants de riches qui jouent aux pauvres pour faire changement. Et moi, je suis un vrai pauvre. Je fitais pas. Je vous dis pas ça pour m'excuser, pour me faire pardonner, mais pour vous faire comprendre que... Oh, puis à quoi ça servirait? Mais Alain, voler, c'est être injuste envers des gens qui t'ont rien fait. C'est antisocial, anti-humain, c'est... Dire que moi, j'ai cru, hein? Moi, Gérard Tremblay, j'ai cru que t'étais... Enfin, que tu ferais pas de mal à une mouche. T'étais incapable de tromper, de haïr. J'ai cru ça, moi. Alain, un voleur. Mais si vous pensez que j'aime ça, voler, si vous pensez que c'est drôle, si vous pensez que le 13 piastres que j'ai pris dans la caisse de la pharmacie me brûle les doigts, mais essayez de voler! Vous allez voir que c'est pas le fun. Homme, je vous empêche de dormir, je vois en verre. Et où vas-tu, là? C'est pas grave. Où? Vous voudriez peut-être que j'aille me livrer à la police comme des films côté 1. Mais comptez pas sur moi pour tourner en dedans au pénitencier. Hey, je suis en institution depuis ma naissance, moi. Mais j'ai besoin d'air! Mais vous pouvez pas comprendre ça, vous. J'essaie. J'essaie, Alain, de comprendre. Mais c'est pas facile pour moi de me mettre à ta place. J'ai été pauvre, moi aussi, mais avec 10 frères et sœurs, puis un père, puis une mère, puis des oncles, puis des tantes, puis... Ma pauvreté, à moi, a été constructive. Tandis que la tienne a été destructive. Tu vas pas te laisser faire, Alain? Tu vas pas te laisser détruire? Quand je sortais avec Nicole, j'ai eu tout désespoir. J'en ai plus. Alors, je pourrais me cacher dans un train de marchandises ou bien rendre sur le pouce au Mexique ou m'organiser. J'ai des amis qui sont professionnels dans le hold-up. Ils se font pas prendre, eux autres. Ils finissent toujours par se faire prendre, hein? Bon, je m'excuse. J'aurais dû avoir le courage de pas venir vous déranger. Vous voyez, je suis un raté. Je rate tout. Même les amitiés auxquelles je tiens le plus. Alain. Alain, je peux pas te cacher, mais... reste ici là, jusqu'à demain matin. Et tu partiras demain matin, avant que Martin et Marie-Josée soient levés, hein? Demain matin. Vous ne dénoncez pas la police? C'est toi-même, hein, qui devrais te livrer à la police. Oh, jamais. Ça, je le ferai jamais. Bon. Alors, il me reste à te souhaiter bonne chance. Vous voulez rire? D'un côté, il fait bien pitié. Mais d'un autre côté, il a volé, puis on n'a pas le droit de voler. Si tous les malheureux se mettent à voler... Et puis... Il partira demain matin à la première heure. Comme je n'ai pas mon quota de problèmes. Je ne pourrais pas avoir des amis qui n'ont pas de problèmes, non, Nicole? Encore chanceux que ce soit les amis de nos enfants qui aient des problèmes, pas nos enfants. Enfin, pas pour le moment. Oh, si je savais quoi faire. Pauvre gars. Je vous regarde, puis je compare vos vies à la sienne. Hein? Ça me porte à l'indulgence. Mais le côté volé, c'est pas une solution. C'est une solution de paresse. Alain dit qu'il a volé pour manger, mais c'est pas si simple. On veut avoir de l'argent sans travailler. On se persuade que voler une entreprise, un magasin, une usine, c'est pas grave, puisque c'est pas un individu. On se dit, hein, tout le monde vole plus ou moins. Pourquoi pas moi? Puis à l'exemple de tous ces films, là, où le voleur est un beau jeune homme, que les femmes admirent, combien de fois je vous ai entendu, hein? Souhaiter avec ardeur que le beau et bon voleur échappe à la police. Ah, puis Alain. Pour Alain, voler, c'est peut-être une façon de se valoriser à ses yeux et aux yeux des autres.
Ça ne valorise pas auprès de moi, en tout cas. Non, mais tu t'en occupes, par exemple. Tu vois comme c'est pas si simple. Ah, et si j'étais psychiatre, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi, Gérard Tremblay, pour un voleur à problème? Enfin, bon, on va le garder cette nuit-là, puis ça me donnera le temps de réfléchir. Tu vas l'aider, hein? Comment l'aider? Il a volé, il a été vu, le commis a appelé la police, il a donné le signalement d'Alain à la police. On doit le chercher partout. J'essaie de me souvenir des romans policiers que j'ai lus, puis il y en a un dont je me souviens. Des gens comme nous avaient caché un voleur, puis la police est arrivée, puis ils ont tous été arrêtés, puis traînés en prison, puis accusés, là, de, comme tu dis, papa, de complicité. T'es bien fine. Mais quoi? Faut voir la vérité en face. Je veux pas aller en prison, moi, je suis trop jeune. C'est vrai qu'on pourrait tous aller en prison. Hey, sac, c'est pas mon bague, moi, la prison, pas. Ben non, voyons. Il nous emmènerait au poste, pas plus. Enfin, j'espère. Je suis pas avocat non plus, hein. Faut pas penser à nous, faut penser à lui. Toi, si tu es responsable, pas nous autres. C'est pas nous autres qui l'a poussé à voler. Isabelle. Ben, elle a raison. Dans un sens, je l'ai poussé à voler. Mais c'est pour ça que je veux l'aider. T'as pas de maraudant, Nicole, on veut tous l'aider. Ben oui, moi aussi, je veux l'aider. Mais je veux aussi qu'il sorte de la maison. Attendez. Attendez donc, là. Quoi? J'ai une idée. Quoi? Écoute, si on n'a rien trouvé, nous autres, hein? On aurait du temps pour discuter, là, que je ne laisserais pas passer inaperçue cette petite phrase-là. Maman, qu'est-ce quoi, que maman? C'est ton idée? Là, hold-up, là, il y a eu lieu à la pharmacie du coin, la pharmacie de Royal, la pharmacie de M. Gendreau. Oui. Ben, le commis, c'est le petit Lemaire. C'est le fils d'Henri puis de Georgette Lemaire, là. Oui. On les connaît, ces gens-là. Mmh. C'était nos voisins quand on était jeunes mariés. Nos derrières de maison se touchaient. Je vois pas le rapport. Écoute, on connaît le propriétaire de la pharmacie. On connaît les parents du commis. Il s'agit d'aller tout simplement exposer le cas d'Alain. Puis Alain remet le 13 piastres qu'il a volé. Puis eux autres retirent la plainte. Puis Alain peut recommencer à neuf. Oh, oui. Il s'agit tout simplement de leur expliquer, de leur faire comprendre. Oui, Gérard, demain matin, tu vas y aller, puis tu vas aller leur parler. Ah, parce que c'est moi. Ben, t'es capable, pas, t'es capable. Oh, oui. Oui, tu leur parleras longtemps, puis ils vont finir par vouloir. Tu les supplieras. C'est ça. Puis s'ils veulent pas, ben, je pourrais aller faire un petit peu de prison à la place d'Alain, hein? Ce serait pas une mauvaise idée, ça, tiens. En prison, au moins, j'aurais un lit à moi tout seul. Les filles, allez, dans vos chambres, là. Maintenant que papa a trouvé la solution, il n'y a pas à s'inquiéter, tout va s'arranger. Quand papa entreprend quelque chose, hein, Gérard? Oh, je peux pas accepter ça. Vous avez déjà trop fait pour moi, je peux pas imposer ça à tes parents. Hey, écoute, il est 4 heures du matin, là. Depuis 11 heures hier soir qu'on se torture pour toi. Là, on en vient une solution, puis t'en veux pas. Arrange-toi avec tes troubles, moi je m'endors. Ouais, Germain. Il est fort, lui. Franchement, Alain, moi, je te comprends pas. On veut t'aider, on est prêt à te rendre service, puis tu veux pas. Les malchanceux ont pas droit à leur fierté. Ouais. Qui s'arrange? Moi, je m'en vais où? C'est généreux de sa part. Il veut pas que papa se dérange pour lui. S'il était si généreux, il serait pas venu se réfugier ici. Germain... Bon, tu peux partir, là. Il commence à faire clair. Non, attends encore. On est nerveux, on est fatigué, puis on sait plus ce qu'on dit. Attends jusqu'à midi. J'attendrai si Isabelle et Germain sont d'accord. Sac, faut le supplier maintenant. Oh, moi, ça sert à rien, des gars comme toi. J'ai pas essayé, je les comprends pas. Oh, tu peux rester. Tu peux rester. Non, je m'en vais. Reste ici. Tout va s'arranger, tu vas voir. Reste donc. Si t'as faim, tu sais où est le réfrigérateur. Merci. Mais si vous voulez que je parte... Oh, oh, oh. Hey, hein? Bon, fais ça vite, là. Mets ta tuque, Martin. Oh. Tiens, Marie-Josée, tes patins, là. Bon, dépêche-toi, là. Vite. Dépêche-toi! Oui. Tu vois pas, Martin, qu'il faut qu'on sorte de la maison plus vite. Il voit rien, lui. Il y a des matins comme ça. Bon, tiens, vite. Oh. Bon, bonjour. Il est juste 9h, puis les grands sont même pas réveillés, là. Il y a des bons bonhommes le samedi matin en télévision. Oui. Allez, patiner, c'est meilleur pour la santé. Okay, t'as Martin. Bon, vite. Je finirais bien par le savoir ce qui se passe. Oh, moi, j'ai oublié de te dire, allez, dans la chambre à fournaise, je l'ai vu aller chercher les patins. Ah! Je vous raconterai tout à midi, allez, patiner. Bon, bonjour. Oh!
suis sûr là, que je vais venir avec moi. C'est pas que je veux pas y aller, Gérard, c'est que je pense que vous serez mieux entre hommes pour négocier. C'est ça le mot, là, négocier. Ouais. Si tu veux que j'aille. Non. Je vais y aller. Bon, laisse faire. Reste, je vais y aller, moi. J'y vais, mais dis-toi bien que je suis pas dupe, hein? Dupe? De tous les petits trucs que tu prends pour me faire faire tout ce que tu veux. Oh! Moi, tout ce que je dis, Gérard, c'est que si tu veux pas t'en occuper, moi, je vais y aller m'en occuper d'Alain. Il s'en aperçoit même pas, hein? Tâche de réussir, hein? Il faut qu'il retire la plainte, il le faut. Qu'est-ce qu'il fait, mon papa? Il arrive pas. Heureusement, c'est le champion de la persuasion. Il va prendre le temps qu'il faut, puis il va réussir, tu vas voir. Oui, mais papa, il a la logique pour lui. Maman, elle a les idées. Papa, il a la logique. C'est lui! Hein? Comment ça t'es meilleur, faudrait que je m'appelle? Et puis? Est-ce qu'il va voir tes plaintes? Ça marche pas. Oh! Tu peux pas. Ils veulent pas tirer à plainte. Je le savais. Ils peuvent pas. Ton idée, Fernande, était une idée généreuse. Mais la loi, hein? C'est la loi. Quand un citoyen appelle la police pour un hold-up, il ne peut plus retirer sa plainte. Le hold-up devient une offense criminelle qui appartient au domaine public. C'est plus un individu là, qui recherche le coupable, c'est le public. Puis la justice doit suivre son cours. Quand ça se peut pas, il y a moyen de faire quelque chose. Quand j'ai fait mon possible. Ce qui te reste à faire est clair, Alain. T'enfuir ou te livrer à la police. Pourquoi vous m'avez pas dénoncé? Je préfère te laisser prendre ta décision. Monsieur Tremblay, si j'étais votre fils, à votre fils, qu'est-ce que vous conseilleriez? Je voudrais qu'il se conduise comme un homme. Puis après, on l'aiderait, par exemple. On irait témoigner à son procès, puis on sortirait de là, ça, c'est sûr. Hein, Gérard? Oh, puis... En prison, c'est chauffé. Puis on mange 3 repas par jour.